Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce poncho chauffe-épaule au crochet. On va partir sur la base de 4 carrés, donc un ici devant, un autre derrière, le même, un troisième et un quatrième. Vous pouvez faire beaucoup plus grand, vous pouvez faire beaucoup plus petit en fonction de la personne à qui il est destiné. Vous verrez les photos, normalement, vous pouvez le porter donc sans cette partie ici sur le bas, ce sera tout ouvert, vous pouvez le porter de cette façon-là, ou alors la pointe vers le bas, comme ceci. La pointe ici vers le bas et l'autre pointe également. Comme là, je l'ai fait pour moi et je ne suis pas trop pointe devant ou pointe derrière, donc je l'ai fait vraiment de la façon dont je voulais le porter, avec un carré devant, l'autre carré derrière, et cela plié en deux. Tout en faisant également ensuite ici plusieurs tours pour que ça descende bien sur le, sur le ventre et que ce soit bien, bien chaud pour cet hiver. On va faire que répéter deux tours en permanence. Donc c'est vraiment plus ces deux tours très très simples et très faciles à réaliser. Et vous pouvez l'adapter comme je vous l'ai dit. Alors ici le mien, je l'ai fait pour ma taille, donc un 38-40. Vous pouvez, comme je vous ai dit, en partant simplement de la base du carré que je vais vous montrer, faire plus de tours ou moins de tours. On va faire un tour, on va répéter deux tours en permanence. Le tour des espaces et le tour des brides. Le tour des espaces et le tour des brides. Et sachez qu'obtenir le carré que vous désirez. Ensuite, comme je vais vous l'expliquer, on va en faire quatre. Comme ça, vous pouvez vraiment l'adapter à la personne à qui il est destiné. Je crois que c'est tout. Là, j'ai eu besoin, pour ma taille ici, donc j'ai eu besoin de 2 pelotes et demie, presque 3. C'est ce qui me reste de la troisième et dernière. C'est des pelotes de la boutique Loupation. Je n'ai malheureusement plus les petits, les petites étiquettes. Je les garde toujours, mais je finis toujours par les jeter. Enfin bon, bref. Donc, j'ai besoin de 2 pelotes et demie. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, donc sous la vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la main droite, autant le lien direct pour la main gauche, pour Facebook, pour Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors pour démarrer, vous prenez donc la laine que vous désirez. On va commencer par le cercle magique. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous celui-là, on ramène à l'avant. Là, on va faire une première maille en l'air. Donc pour ceux et celles qui n'arrive pas avec le cercle magique, vous faites simplement là. On va simplement, vous faites simplement 6 mailles chaînettes. Et vous fermez dans la première maille de départ avec une maille coulée. Si vous avez commencé avec les 6 mailles chaînettes, vous allez travailler à l'intérieur de ce petit cercle. Et là, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. 1, 2, 3 qui font 3 mailles de séparation. Donc, cercle magique ou pas, ici dans l'espace, on va faire une première bride. Enfin, une deuxième, puisqu'on a ici les premières. Une maille de séparation. Dans les cercles, une bride. 3 mailles de séparation. Une bride, une maille de séparation, une bride, 3 mailles de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride, 3, 1, 2, 3, 1, bride, une maille de séparation. Là, on va aller à la troisième, donc 1, 2, on rentre dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. À ce stade, cercle magique ou pas, on prend notre fil ici de départ et on tire dessus. Ça ferme bien le cercle, donc on a 1, 2, 3, 4 coins. On va faire que répéter 2 tours en permanence. On va avancer ici avec une maille coulée. On va démarrer, on va toujours démarrer d'un des coins. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride.
On revient dans le même espace, on va faire une deuxième. 3 mailles de séparation. 3. Toujours dans le même espace, on remet un groupe de 2. Maintenant, on va faire une bride dans la bride, une bride dans l'espace qui les sépare, une bride dans la bride. Dans les ongles, on va répéter un premier groupe de 2, les 3 mailles de séparation, un deuxième groupe de 2 brides. On continue une bride dans la bride, une bride dans l'espace qui les sépare, une bride dans la bride. Et ici dans l'ongle, on va répéter les 2 brides, les 3 mailles de séparation, même espace les 2 brides. De nouveau bride sur bride. Une bride dans l'espace qui les sépare, bride sur bride. Dans notre dernier angle, on va répéter la même chose. 2 brides, 3 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Donc là, on va le terminer ensemble. Donc une bride dans la bride, une bride dans l'espace qui les sépare, et une bride dans la bride. On va entrer dans la troisième maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. Donc à chaque tour, quel que soit le tour, on va avancer en maille coulée jusqu'au dans un angle. C'est plus simple de démarrer dans l'angle. Là, on a déjà répété, fait les deux tours à répétition. Ici, donc, ici on avait fait un tour simplement de bride et d'espace. Là, on a fait un tour simplement qu'avec des brides. Là, on va recommencer un tour avec des brides et des espaces. Alors, on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride, plus 1, 2, 3 de séparation. Dans le même espace, on refait une bride. Une maille de séparation. Il faut toujours commencer dans la première pour toujours finir dans la dernière. Donc ici, dans la première, on fait une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. Dans les angles, on répète les angles. Une bride, 3 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Une maille de séparation, on commence toujours dans la première. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. Ça, c'est ce qu'on fera à chaque fois qu'on sera au tour où on fait des petits espaces. J'appelle ça des petits espaces, c'est plus simple. La maille de séparation dans l'angle, on va répéter l'angle. La bride, les 3 mailles de séparation et la bride dans le même espace. Maille de séparation, on commence toujours dans la première, et on finit toujours dans la dernière. La maille de séparation, et on va compter 1, 2, on va dans la 3. On ferme avec une maille coulée. On a fini le tour des petits espaces, on va commencer le tour des brides. Donc on va démarrer directement avec une maille coulée dans notre angle. 1, 2, 3 qui font une bride. On doit faire 2 brides dans l'espace, donc là on en fait 2. Toujours les 3 mailles de séparation,
Et dans le même espace, on refait un groupe de deux. Ça, c'est ce qu'on va faire dans chaque ongle. Ensuite, on va faire ce qu'on a déjà fait, bride sur bride, et une bride dans l'espace qui les sépare. Bride sur bride, bride dans l'espace qui les sépare. Et bride sur bride. Chaque fois qu'on va arriver, pardon, ici dans l'angle, on va répéter les deux brides, les trois mailles de séparation et les deux brides dans le même espace. Là. Et là, on continue bride sur bride et bride dans les espaces qui les séparent. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je n'ai pas terminé, c'est juste pour bien vous montrer de bien faire attention quand on arrive à la fin. On pourrait croire qu'ici, les trois mailles en l'air correspondent à cette bride, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il ne faut pas oublier de travailler notre dernière bride. Ici, dans la troisième maille, on ferme avec une maille coulée. On va de nouveau avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Là, on va répéter le tour où on fait les espaces. Donc, les trois mailles en l'air qui font la première et les trois mailles de séparation. Même espace, on refait une bride, une maille de séparation. On commencera toujours dans la première. Maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. On terminera toujours dans la dernière bride. Dans les ongles, donc on fait la maille de séparation, on va répéter une bride, les trois mailles de séparation et même espace, une nouvelle bride. La maille de séparation, on commence bien dans la première. Pour bien terminer dans la dernière. Maille de séparation, dans les ongles, on répète les ongles. Donc je vous laisse à nouveau terminer ce tour. Je vais vous montrer une toute dernière fois comment reprendre, puisqu'on va faire que répéter ces deux tours-là. Un tour, on va faire que des brides, et dans les ongles, on va faire deux brides, trois mailles de séparation, deux brides, et un tour, on va faire des espaces, où dans chaque angle, on fera une bride, trois mailles de séparation, une bride. Une maille de séparation, on commence dans la première. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Et si on ne s'est pas trompé, on va terminer dans la dernière. Donc ici, je vous montre à nouveau comment terminer ce tour. Bien faire attention à bien travailler notre dernière bride. La maille de séparation, 1, 2, on va dans la 3. Et on termine avec une maille coulée. On avance en maille coulée dans le premier espace. Et là, on va reprendre le tour, simplement des brides. 1, 2, 3, dans le même espace, on fait une deuxième. 1, 2, 3 mailles de séparation, même espace, on refait un groupe de 2. Et là, on va reprendre une bride dans chaque bride et une bride dans l'espace qui les sépare. Une bride dans la bride et une bride dans l'espace qui les sépare. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très 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 répétitif, qui avance tout seul, pas besoin de beaucoup de concentration non plus.
On va faire que répéter ces deux tours-là le nombre de fois que l'on désire. Je vais vous montrer exactement jusqu'où, à peu près, on doit prendre les mesures et on se retrouve après. Alors ici, je vous montre le mien terminé. J'ai fait que répéter ces deux tours. Je vais vous donner également les mesures. 35 cm. La seule chose qu'il faut, c'est bien terminer autour des brides, tout simplement, pour savoir si ou non vous avez la bonne taille. Ces deux parties-là, enfin, une des parties, vous posez bien contre vous, savoir si c'est trop, si ça dépasse trop des épaules ou pas. Si vous le portez en carré, si par contre vous allez le porter de cette façon-là, mettez cette partie-là un petit peu plus haut que la poitrine et voir où votre, entre guillemets, triangle tombe. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez défaire. Si vous trouvez que c'est pas assez long, ben là, vous n'avez qu'à reprendre. Vous reprenez votre fil et vous refaites deux tours. Parce qu'il faut simplement terminer ici sur le côté des brides. Moi, personnellement, je l'ai essayé dans ce sens-là. J'ai fait d'épaule à épaule et c'est parfait. Donc, de là à là, ça fait les épaules. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire plus grand. Donc, ça peut très bien dépasser des épaules. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus large. Quand vous avez terminé un, vous allez en faire 3 de plus pour en avoir 4. Là. Maintenant, ce qu'on va également faire ensemble, c'est le montage. Donc, je vais vous montrer comment faire l'assemblage entre eux. Puis après, on a encore quelques petites finitions, mais cette partie-là, elle est vraiment très rapide. Et puis le reste aussi rapide et simple. C'est juste pour les mesures. Là, pour les mesures, il faut bien être sûr de ce que vous voulez, quelque chose de très large ou pas très large. Faire peut-être plus grand que d'épaule à épaule, ou simplement faire d'épaule à épaule. C'est à vous de voir. Donc maintenant, on va en prendre deux. On va prendre l'endroit. On voit ici la différence entre l'endroit et l'envers. On va prendre un à l'endroit et l'autre, on va le mettre à l'endroit contre à l'endroit. Donc à l'endroit contre à l'endroit. Là. Donc endroit contre endroit. Ici, on a bien les trois mailles de séparation de chaque côté. On va entrer dans la deuxième, celle du centre, d'un côté, et dans la deuxième, celle du centre, de l'autre côté. Je laisse une petite longueur pour pouvoir bien le cacher ensuite. On retourne ici, donc dans le même espace. On ramène, on fait une maille en l'air. On va dans la maille en l'air suivante. On prend bien celle qui correspond. Hop, en face. Maille serrée. On prend donc ici la bride. On prend la bride qui correspond en face. Je profite pour coincer ce fil. Maille serrée. Comme on a le même nombre de brides, vous ne devez pas avoir de soucis. Donc on prend bien la bride ici devant, on prend celle qui correspond en face, bien les deux fils de chaque. Donc ça, vous avez compris qu'on va le faire sur tout un côté. Donc jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans la deuxième maille, sur les trois. Donc ici, je suis arrivée dans la une maille de séparation et une maille de séparation de l'autre côté. Pour éviter de couper le fil et puis de reprendre cette partie-là. Donc je vais la poser vers le coin. Je vais prendre une troisième. Toujours l'endroit contre l'endroit. Et je vais profiter de mon fil pour faire cette couture de ce côté-là. Donc celui-là avec celui-là. Je vous montre à nouveau comment on est actuellement pour être sûr qu'il n'y a pas de... Actuellement, on est de cette façon-là. On a terminé un côté. Celui-là, on va le pousser. Pour profiter du fil, ici, je reprends un autre que je mets endroit contre endroit. Et là, je vais continuer
Donc ici, je rentre dans la deuxième. Ici, je prends la deuxième. Maille serrée. La prochaine qui est la 3, je prends avec la 3 qui correspond ici en face. Et là, sur ce côté, je vais faire ce qu'on a déjà fait. Donc, bride avec la bride qui correspond. Donc ici, je vous laisse aller également jusqu'au bout. Donc ici, on se retrouve avec ce résultat. Maintenant, un des deux côtés, ça vous de voir. On va prendre notre dernier carré et on va faire l'union ici sur le haut. Donc, je pose bien endroit contre endroit. Là. Et on va faire l'union ici. Donc maintenant que vous savez comment faire, je vous laisse terminer ce côté. Là, je vous montre à quoi ça ressemble actuellement. Sur un des deux côtés, on a un, et sur l'autre, on en a deux qui sont assemblés. Si, comme je vous disais, de ce côté-là, j'en ai un seul. Alors maintenant, pour qu'on puisse toujours travailler l'endroit contre l'endroit, celui-là, je vais simplement le plier en deux, le poser ici, là. Je vais prendre l'autre côté, et je vais prendre donc cette partie-là, le deuxième, et je vais faire le poser sur le carré en forme de triangle, comme ceci. Donc notre seule dernière couture qu'on a à faire, c'est ce côté-là. C'est deux ici, pour que ce soit terminé. Donc je vous remontre bien, que ce soit qu'il n'y ait pas de souci. Le côté où il n'y en a qu'un seul, je vais simplement le plier en deux. Le côté ici où il y en a deux, là, je vais prendre celui-là. Je vais le poser de la même façon, bien en forme de pointe ici. Et je vais faire ma dernière couture simplement ici, sur ces deux-là. Alors maintenant qu'il est assemblé, j'ai caché tous mes fils et je l'ai positionné. Moi, je vais le porter de cette façon-là, mais vous pouvez le porter, bien entendu, avec la pointe, vraiment poncho, vers l'avant et vers l'arrière. Maintenant, ce qu'on va encore faire, c'est ici sur l'ouverture du cou. On pourrait très bien faire une sorte de col roulé. Moi, personnellement, je ne vais pas faire parce qu'il tombe vraiment bien sur les épaules, donc il n'y a pas de souci. Je vais simplement faire un rang, un dernier rang que je vais vous montrer, en maille serrée avec une maille de séparation. Ensuite, ce que je vais encore travailler, je vais essayer de mettre droit, c'est ici la partie du bas. Je vais faire un ou deux tours donc sur toute la partie du bas, en répétant les deux tours à répétition. Deux ou quatre, parce qu'il faut finir toujours par le rang de bride. Et ensuite, personnellement, je vais encore faire autre chose parce que, comme je compte le porter, je vais le faire vraiment à mon idée, à ce que moi je désire, c'est que ces deux côtés-là, ensuite je vais travailler que sur cette partie-là, enfin, sur l'avant et l'arrière, sans toucher les bras. Mais je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, comme je vous disais, là, je vais travailler sur le côté, ici, d'épaule à épaule. On va prendre notre fil, s'introduire dans n'importe quelle maille ou espace. Je laisse toujours une bonne longueur pour pouvoir le cacher. Là. On vient dans la même maille, on fait une maille serrée. Une maille de séparation. Maille suivante, une maille serrée. Une maille de séparation. Maille suivante. Maille serrée, maille de séparation. Ça donne ça ressemble au point écrevisse, sauf qu'il est peut-être plus simple à réaliser.
Donc ça vous fait cette finition. Donc pour tout ce tour, simplement une maille en l'air ou une maille de séparation, maille suivante, une maille serrée, maille de séparation, maille suivante, maille serrée, maille de séparation, maille suivante, maille serrée. Donc ça, vous allez le faire sur tout votre tour. Terminez avec la maille coulée et cachez vos fils. Alors dès qu'on a fini, donc ici la partie du col, maintenant, c'est personnellement ce que je vais faire. Je vais prendre, donc ici je l'ai plié pour avoir la pointe. Je vais commencer par une pointe, c'est plus simple. Donc ici, vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce qu'on a déjà fait. 1, 2, 3 qui font une bride, 1, 2, 3 de séparation. On revient dans le même espace, on fait une bride. Une maille de séparation. Comme on l'a déjà fait, on doit commencer dans la première. Donc ici, on va commencer dans la première. Maille de séparation. On passe une, on va dans la 2, ça ne change absolument rien. Ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive, je vais vous montrer, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc on vient de commencer ici dans la pointe. Je vais simplement vous montrer comment passer d'un carré à l'autre. Et ensuite, vous allez faire exactement la même chose sur tout votre tour jusqu'au moment où on reviendra ici et on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors ici, j'ai fait le même procédé jusqu'au dernier, comme on l'a fait jusqu'à présent. Pour passer sur l'autre carré, je vais faire une maille de séparation. Ici, dans la couture entre les deux, je fais une bride. Une maille de séparation. Je vais dans la première et je reprends. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur tout le tour de votre poncho. Quand vous arrivez ici, vous allez terminer comme on l'a terminé jusqu'à présent. Ensuite, vous allez reprendre le tour des brides, donc les deux tours à répétition. Et ça, vous allez donc le faire le nombre de rangs que vous désirez. Par contre, dans les pointes, pardon, juste que je vous dise, dans les pointes, maintenant, on n'en aura que deux. On va maintenir la pointe, on va faire les deux brides, les trois mailles de séparation et les deux brides. Tout le reste, on va simplement faire donc le tour des brides, que des brides. Bride sur bride et une bride dans l'espace. Et ces deux rangs-là, vous allez répéter le nombre de tours que vous désirez. Moi, je suis partie pour minimum, comme je vous ai dit, ce serait bien qu'on s'arrête au rang des brides. Je vais faire donc une, deux, peut-être quatre rangées. Peut-être quatre rangées aussi, je ne sais pas. Je vais voir au fur et à mesure sur moi. Donc ici, ça fait une rangée. La deuxième, qui est en bride, on reprend la rangée des séparations. La seule chose ici, de ce côté-là comme de l'autre côté la pointe, on doit simplement maintenir la pointe. Alors ici, finalement, j'ai simplement fait deux tours. Le premier avec les espaces et le deuxième avec les brides. Donc ça, je l'ai fait sur tout le tour. Alors maintenant, je vais travailler donc ici sur le carré de ce côté-là et ensuite sur le carré de l'autre côté. Pour ça, je vous montre. J'ai ici une bride sur la bride et la bride dans l'espace. Je vais m'introduire ici dans la bride dans l'espace, je ramène mon fil. Là, on va commencer le tour avec les espaces. Une, deux, trois et une de séparation. On passe une, on va dans la deux. Une, on passe une, on va dans la deux. Une, on passe une, on va dans la deux. Donc ça, ce qu'on a déjà fait, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive. Donc on voit ici la couture des deux. On a la bride dans la dernière bride et puis on a ici la bride dans l'espace. Je vais le faire jusqu'à ce qu'on arrive à cette bride-là. Donc ici, j'ai fait le même procédé puisqu'on est au procédé des espaces. Donc ici, bien du centre jusqu'à au centre de ce côté-là. Maintenant, je vais faire, on va dire, 10 ou 15 mailles de séparation. Je vais voir au fur et à mesure. On va essayer avec 10. Je verrai après.
10. Donc maintenant, pardon, on va faire ce qu'on a fait ici, ici juste sur l'autre carré de l'autre côté. Pour ça, donc je vais tourner un petit peu. L'autre carré, il se trouve là. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 10 mailles de séparation. Un jeté. Donc ici, dans la bride qui correspond à celle de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. De ce côté, on va faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. On se retrouve après. Alors, quand on a fait la même chose ici, donc jusqu'à la bride qui correspond, j'ai refait 10 mailles de séparation et j'ai, je vais vous montrer, donc les 10 mailles de séparation pour moi. Et je me suis simplement accrochée ici dans la troisième. Maintenant, ici, vous avez compris qu'on va reprendre le tour. Une, deux, trois, des brides. Donc, une bride sur bride, bride dans l'espace, bride sur bride. Bride dans l'espace. Ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait simplement une bride dans chaque bride, une bride dans chaque espace. Je viens de compter mes brides de ce côté-là, j'en ai 69. Ça veut dire que de l'autre côté également, je vais en avoir 69. Parce qu'il faut que, là, on va rajouter des brides des deux côtés. Il faut que le total de tout ce grand rond soit un chiffre impair, c'est tout. Donc, si ici, j'en ai 69, de l'autre, j'en aurai 69. Ici, je vais mettre 10 brides et là, je vais en mettre 10 également. Au total, ça me fera 158. Donc, j'aurai un chiffre impair. Donc, quand j'ai fait ici jusqu'à ma dernière bride, je vais simplement travailler sous les bras ici. Donc, j'ai fait 10 mailles de séparation. Et je vais faire 10 brides. Si vous avez fait pardon, plus ou moins, c'est à vous d'adapter en fonction pour que simplement tout le tour, on ait un chiffre impair. Donc si vous avez fait 10, vous pouvez en mettre 12 par exemple, si ça reste trop serré. Moi, je vais en mettre 10 parce que ça me convient. La seule chose, c'est qu'on doit avoir un chiffre impair sur tout ce tour, c'est tout. Donc dès qu'on a fait là-dessous, là, on va reprendre ce qu'on avait fait de l'autre côté. Donc bride sur bride, bride dans l'espace. Bride sur bride, bride dans l'espace. Ça, vous allez le refaire jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici de l'autre côté. Vous allez faire le même nombre de brides que vous avez fait de l'autre côté. Et ensuite, on va simplement terminer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc ici, j'ai fait le même procédé sur tout le tour. J'ai terminé, j'ai fait donc mes 10 brides à l'intérieur. Donc à partir de maintenant, vous avez compris qu'on va tout simplement répéter les deux tours qu'on vient de faire en permanence. Le tour où on va faire les espaces et le tour, on va faire les brides dans les espaces, tout simplement. Quand on démarre le tour avec les brides, une, deux, trois et une de séparation. On passe une, on va dans la deux. On passe une, on va dans la deux. Donc ça, là maintenant, vous allez le faire sur tout votre tour. Quand vous avez terminé, vous avez compris qu'on va terminer ici dans la troisième maille avec une maille coulée. Et après, donc ensuite, pardon, on va recommencer le tour des brides. On va faire une bride dans la bride, une bride dans l'espace, une bride dans la bride, une bride dans l'espace. Quand on a terminé, on reprend le tour des petits espaces. Et ça, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez. Ici, je vous montre, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Comme on a fait jusqu'à présent, je me suis arrêtée autour des brides.
Pour les prochains tours, je ne sais pas encore exactement combien. Je vais au fur et à mesure sur moi. Je vais... Hop, là. On va simplement travailler les prix différemment. Donc, ici où on a terminé, on va faire une bride en relief par l'avant. La suivante, une bride en relief par l'arrière. Bride en relief par l'avant. Bride en relief par l'arrière. Par l'avant. Par l'arrière. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. On se retrouve après que je vous montre comment faire les prochains. Alors ici, j'ai terminé tout. Avant de terminer, je vais vous montrer. Donc on va entrer ici dans la troisième maille et terminer avec une maille coulée. Donc vous allez terminer tous vos tours de la même façon. Et tous les prochains, vous allez également les commencer de la même façon. On a ici une bride en relief par l'avant. Donc on la travaille en relief par l'avant. On voit ici caché derrière une relief par l'arrière. Alors on la travaille en relief par l'arrière. On voit la différence par l'avant. On la voit qui est cachée juste derrière, donc on la travaille par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Donc tous les prochains tours, quel que soit le nombre, vous allez simplement travailler les brides comme elles se présentent, rien de plus. Si c'est en relief par l'arrière, on la travaille en relief par l'arrière. En relief par l'avant. Et ça, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Quand vous avez terminé, vous faites donc terminer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur pour bien la cacher. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cacher tous vos fils et ce sera terminé. Donc moi, je vais continuer encore peut-être 2-3 tours de plus, je ne sais pas très bien. Je vous dirai à la fin. Alors ici, au total, j'ai fait 5 tours exactement de la même façon. Vous devez bien entendu cacher tous vos fils du côté à l'intérieur de notre poncho chauffe-épaule. Et ça vous donne ce superbe résultat, quelque chose de très original et qui se fait très vite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère à bientôt.